Bon, salut à tous, c'est Okona et bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, vidéo un peu fun. On va retester le Ezreal mid pour voir si ça fonctionne encore. On va prendre une Gunblade, premier objet, ça coûte très cher du coup. Ça va être beaucoup de farm. On va monter QEW comme d'habitude. On peut lui balancer quelques Q évidemment parce qu'on joue avec Airy. Ça fait quelques dégâts, mais vraiment, c'est pas ultra indispensable parce que vraiment avant le niveau 6, vous n'allez pas vraiment pouvoir la one-shot. Vous allez garder plus ou moins tout le temps votre E, au cas où vous allez vous faire gank en fait. C'est très important, c'est pour ça que Ezreal c'est quand même assez stylé de le jouer mid, parce que t'es ultra safe en fait. T'es vraiment ultra safe avec ton E. Pour jouer tranquillement, on va juste farmer, on va... Mine de rien, Ezreal AP, ça scale pas de ouf, mais en vrai c'est rigolo. C'est rigolo contre des champions qui vont prendre zéro résistance magique. Et ça arrive souvent en solo queue de voir des gens qui prennent zéro résistance magique. Surtout la bot lane, ça m'étonnerait pas que là, les deux là, ils prennent rien du tout et on va pouvoir les bolosser comme pas possible. Du coup, on va souvent aller à la bot lane. Ça va devenir intéressant quand on va avoir le stuff en fait. Là, on a un peu rien là. Bon bah là, elle est un peu morte là. Ok, à plus. Je joue avec mana flow. C'est pas... Là je teste, normalement je joue avec le Ultimate Hat, ce qui va nous permettre d'avoir 15% sur l'ultime. C'est sûrement mieux. C'est sûrement mieux. Allez vas-y, je me casse. Là je voulais juste tester mana flow. En fait je pense que tu prends mana flow si tu risques de te faire camp et que tu vas faire beaucoup de E en fait, qui vont te mettre facilement oom. Là tu peux prendre mana flow. Là je sais même pas pourquoi je l'ai pris, j'aurais dû prendre Ultimate Hat. On va commencer par ça, on va prendre ça, on va prendre des petites bottes vite fait. Oh je peux même prendre ça en fait. Ok, je vais prendre ça et ça en fait. Avec des petites wards. On va prendre de l'AD après, vous pouvez commencer par de l'AD, hein, y a aucun souci. Donc ouais, je disais en fait, on commence à faire des dégâts avec le Hextech. Surtout le Luden Echo. En fait, notre core build vraiment, ça va être Lich Bane, Luden Echo et évidemment la Gunblade. Et là, on commence à faire des dégâts. Après, ça va être situationnel. Souvent, ça va être... Void Staff Rabadon, hein, bien YOLO, bien vénère avec des bots sorciers. Là t'es full build mais des fois bah, t'as pas le choix de prendre autre chose. On lui fait quelques dégâts, on fait pas trop les fous parce qu'elle a quand même un ult de malade. Mon Q fait proc le revolver X-Tech. Parce que le revolver X-Tech normalement se proc avec une auto-attaque. Sauf que le Q de Ezreal est considéré comme une auto-attaque. C'est pour ça qu'en plus je le monte. De toute façon il a des très bons ratios AP. Bon. Pas AP, mais... ah, quand même, 43, alors que j'ai 107. Bah, il doit être en point 45, un truc comme ça. Ah, là, le problème, c'est que j'aimerais bien push vite pour pas qu'elle ait le minion, pour pas la protéger, parce que là, si je fais mon E et que ça va dans un minion, je suis tellement dans la merde. Donc là, par exemple... je pensais pas à la one-shot. Ah, merde. En fait, j'ai voulu ult tout de suite, en pensant que si elle me stun avec son petit beurre, je suis peut-être mort, en fait. C'est pas le cas. Ok, je monte le E. Ça peut être intéressant ça. Ok, on va juste se mettre là. Parce que là, j'ai fait croire que j'allais à la bot lane, du coup, elle va peut-être venir ici. Voilà. J'ai Ignite pour rien. Je pensais pas faire autant de dégâts en fait. Là, elle a pris vraiment très cher. J'ai un proc là en fait. Non, mais c'est ça, c'est. Je peux le tuer en fait. Parce qu'en fait j'avais mon revolver Hextech là. Quand vous voyez le revolver Hextech, c'est vraiment... Vous avez un burst. Vous avez un burst potentiel. La Gunblade fait mal. La Gunblade fait mal et là, bon... Même s'il n'y avait pas la Gunblade, je l'aurais eu parce qu'elle était dans... entre les deux tours. Et du coup elle pouvait pas esquiver mon W. Bon bah on va refaire la même. Hein. On se cache ici. Où es-tu, Lux? Je te vois plus. Je vais l'ignite comme une merde. Ah merde, attends, je vais peut-être aller les aider là. Lui, je vais pouvoir le one-shot en vrai. Ok.
Ah, c'est normal, hein, je suis fed là, c'est normal qu'il flippe. Parce que vraiment, je dash et je tue quelqu'un, je suis un assassin en fait là. Je suis Ezreal en mode assassin. Et là, en plus, ma gunblade est déjà revenue en fait là, vous vous rendez compte? Putain de merde, c'est quoi, champion? Mais what? Hiya! Oh non, je l'ai pas fini. Ah si. Ah, attends, j'étais pas prêt du tout. Bien joué. Je pensais qu'il avait fait le tour. Deg. Du coup, on a le Lich Bane. Et là, il nous faut absolument Ludeneko, en fait. Parce qu'avec Ludeneko, ça va faire proc Ludeneko avec un simple cul. What the fuck? J'ai cru que c'était un clone de Leblanc, tellement c'était pas logique ce qui s'est passé, quoi. Mon dieu. Alors, est-ce que c'est wardé ici? Oui. Joue avec Protobête. Il est fou, lui. Bon. C'est un ward, ça. Il pique, hein. Il pique le Twitch, hein. En 8-9, là. Donc là, Annie vient de revivre. Elle va aller défendre la tour. On va lui préparer une petite surprise. Est-ce que vous êtes prêts? Venir ici. Son jeu est en noir et blanc. Je suis désolé. Hein. Je suis vraiment désolé. Je pensais vraiment pas que Ezreal c'était aussi violent. Ça. What the fuck? Non. Bon, bah, on va voir la Annie. Ouais, mais la Annie aurait dû prendre un séculaire. Hein. Il est deg parce que je vais pouvoir le tuer à la fontaine. Oh putain. Je veux juste voir mon ult combien il fait de dégâts là. Genre là il fait combien de dégâts mon ult? Merde putain, je voulais pas la tuer. Fuck. Ah bah désolé, my bad. Oh non. Bon c'est pas grave, j'ai assez pour l'élixir. On va prendre l'élixir. Et là une auto-attaque va faire très très mal, je pense. Fait plus ou moins 600 dégâts. Vous allez voir que ça fait plus. Alors, vous êtes prêts? Bonjour. Hop, ça c'était juste un petit E. C'est marrant comment un Q peut faire tellement mal. Genre, oh non, elle a flash. Oh, bien joué! Bon, du coup, je suis un peu deg d'avoir acheté ça parce que j'aurais pu vraiment avoir mon truc. Ah, on va pouvoir le revendre au pire. Hein. Attends, mais j'ai en plus le dragon ancestral. Attends, non, mais il faut que je teste un truc là. Je veux tester un Q. On se fait un petit peu zoner hein, avec Ezreal quand il y a un tank. Tu fais pas beaucoup de dégâts en vrai. Hop, on prend ça. Salut. Ah, ça pique un peu. Ah oui, ça pique un peu. Ah, ça pique un peu, mais ça va. Ah, ça s'est raté, malheureusement. Et c'est la fin, GG. Ok, je confirme. C'est ultra stylé, Ezreal AP. C'est extrêmement beau jeu. Si vous voulez vous amuser, je vous le conseille comme pas possible. C'est génial. GG, je sais pas qui. Morgane, allez, c'est parti. Je vous souhaite une agréable soirée, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao.